Moi, je suis arrivé aux États-Unis. Je vous assure, je suis arrivé à Washington. J'avais la chance d'y aller souvent parce que quand j'étais ministre des Finances, directeur général de la coopération avec la Banque mondiale, je partais là-bas tout le temps. Donc, je connais plein de Burkinabés, mais je n'ai jamais vu, je n'ai pas testé pour voir comment ils sont organisés. Quand je suis parti là-bas en tant qu'ambassadeur, la petite ville de Washington, avec sa banlieue, Silver Spring un peu, mais vous ne savez pas combien d'associations il y a. Vous convoquez un, l'autre dit qu'on ne l'a pas convoqué. Si on a convoqué l'autre, c'est parce qu'il y a ceci. Et vous ne vous en sortez pas. Et ce que vous avez dit est très pertinent. J'ai dit, il faut peut-être qu'on commence par Washington. New York, c'était encore pire, parce que c'est à New York qu'on a le plus de Burkinabés. Et vous avez une diaspora là-bas, aux États-Unis, qui travaillent au Fonds monétaire, qui travaillent à la Banque mondiale, qui travaillent dans d'autres instituts, qui ont des situations d'immigration claires, qui n'ont besoin de personne, ils se suffisent à eux-mêmes. Et ces gens-là, ils ne veulent pas trop se mêler de différentes organisations parce que c'est des clans. Et en réalité, ils ne veulent pas se mêler parce que quand ils s'approchent, les gens disent « Non, mais ce monsieur-là, il n'a aucun problème. S'il vient ici, c'est qu'il a une idée dans la tête. Il veut nous utiliser. » Et c'est incroyable. Donc, ce que M. Jacques a dit, tiens, ce qu'il dit du foisonnement, tiens, moi j'étais obligé de dire, bon, écoute, tu ne peux pas t'asseoir, regarder ces gens-là faire ces choses comme ça. Et comme heureusement, je connaissais beaucoup de gens là-bas avant d'y aller comme ambassadeur, parce que je suis allé plusieurs fois, j'ai eu des petites réunions avec les gars de la banque, j'ai dit, vous voyez, il faut que vous vous impliquiez pour que ça marche. J'ai vu d'autres qui étaient de conditions modestes essayer de les mobiliser. Et c'est la seule fois qu'on a pu créer une seule association des ressources puissantes de la région de Washington et des environs, la Brouhaha. On l'a créée, les gens de la banque se sont impliqués, petit à petit, on est arrivé à supprimer toutes les autres organisations. Mais on a tenté de faire à New York, peut-être le temps n'a pas permis, mais vous avez encore foisonnement